avec avant dernière génie que génie que nous avons porté pour là, c'est le sixième génie qui c'est Akamiya qui s'écrit HAKAMIAH, j'en ai parlé tout à l'heure avant de proposer là, mais c'est 16e génie qui sont chérubins et intériorisation qui c'est la loi, c'est loyauté, il fait partie de grand rapport avec le sept cabales et rituel là, c'est rituel lié et parce que génie que n'a porté vous tout génie sort le gain rapport avec rituel lié. Et pour cela, nous t'expliquons d'abord qui sont rituel lié et on capable toujours aller dans l'émission précédente ou essayer ouais qui sont capables de faire pour faire rituel lié et nous-mêmes simplement après nous pour des détails, des informations sur chérubin en génie. Après ça, nous réciter prière qui a rapport avec lui. Je dis, le 16e ange Akamiya de la Kabbale est l'ange gardien des individus nés. Nous sommes capables de prendre naissance à partir du 6 et le 11 juin. C'est un ange qui est grandiose et son ange tous les possède une énergie extraordinaire. Et il a une grande gentillesse et il a une grande gentillesse, il a une grande bonté. Et son génie qu'on n'a pas besoin de craindre. Il tant qu'il y a un ruisseau qui a coulé dans deux flancs montagnes. Son ruisseau qui a coulé dans deux flancs montagnes, c'est un génie tout qui permet de retrouver ce qu'on appelle l'amour. L'amour et son génie qui l'a tout pour protéger. Et ça fait que nous toujours disons que à chaque fois que vous suivez une émission, émission qui c'est rituel et prière, c'est une émission que nous mettons là pour porter bon genre de détails, bon genre d'informations pour vous. Certes, ou même au capable toujours aller sur Google, aller faire recherche concernant le génie. Ça fait que nous toujours épeler non génie en haut, chérubin, c'est 16e génie qui a une liaison avec le rituel des et qui a rapport aussi avec le grand sec cabal qui est un grand sec, un petit sec. Il y a trois triangles qui sont construits, trois triangles et une flèche qui sont orientées vers l'est. Donc, un symbole de l'est, ça signifie réconfort physique, moral, spirituel. Et il y a un rapport avec le 19 juin 2023. Et il y a un rapport qui est important, lieu. Nous voulons parler de lieu, nous voulons parler de l'espace côté que vous avez un rapport entre ces chérubins, ça y est. D'abord, surtout Akamiya qui est rapport avec le 19 juin, lui a d'abord c'est toujours le même endroit, endroit tranquille, côté personne pas capable de déranger et côté personne pas capable d'interrompre tout et capable juste disposer une table, une chaise, côté capable de chita tout, soit vous mettez bagarre. Vêtements que vous supposez gagner, vous supposez desserrer ceinture, soit retirer une chemise, une chaussure qui est dans le pied et ceinture en tout. Et il y a une équipe importante. Je vous demande que l'ouverture avec une blouse blanche et pour rituel de yot ayez foulard là, c'est foulard sacré bleu. Et date au quoi crier, c'est peut-être le matin vers midi, le milieu de la journée c'est vers midi et le soir. Et une chose qui est important, à chaque fois qu'on vient pour faire rituel ça, on est obligé de respirer 1, 2, 3 fois pour essayer de dégager des mauvaises pensées, des choses négatives pour attirer des choses positives à l'intérieur de vous-même et pour cela ou en harmonie avec des accords côté retourner de voir vers le monde spirituel côté qui a une liaison avec les génies ou les anges qui sont au-dessus de nous tous qui sont en ce intermédiaire entre nous le grand architecte et pour cela avec bon sens qui c'est amour, fraternité, volonté. C'est que un dans la prière c'est sur deux sont obligés de chercher c'est amour, fraternité et volonté. Pas oublier que la prière au sein des différentes religions sont entendues par les anges et car ils sont les messagers, car ils sont chargés de l'exécution de la volonté de Dieu. Et selon la loi d'attraction, son loi qui est inéluctable, inéluctable qui signifie que pas un et qui a empêché le pas arriver, qui s'allie tout ça au chercher de façon pure, positive. Et pure positif, c'est que vous pouvez trouver, c'est que qui puisse se monter la prospérité, la réussite, c'est que vous pouvez recevoir tout ça. Pour cela, on va parler concernant que le 16e génie, qui
qui c'est Akamia, qui s'écrit H-K-A-M-I-A-H, li gen rapport avec le rituel liye. Nous prenons l'importance qui sa rituel liye a e, nous expliquer. On peut toujours aller dans l'émission précédente ou après. Et si vous avez besoin plus de détails, plus d'informations sur le rituel ou sur le grand Sekaba, nous sommes toujours disponibles pour nous expliquer. Et j'en ai dit là, et caractéristiques génie ça, d'abord, li gen rapport. Les gens sont en grandiose, les gens ont une énergie si puissante, les très sales, ils ont considéré un couillon ruisseau en deux montagnes qui a coulé et li, c'est la loyauté. Nous comptons ça, la loyauté signifie. Nous comptons ça, la loyauté signifie. Pour cela, nous avons essayé, comment dirais-je, par les prières qui ont un rapport avec le génie, qui c'est 19e génie, qui c'est Akamia. Qui prie, qui a un rapport avec lui. Et après avoir effectué le rituel lié, il dit, non, après nous faire le rituel lié, il est prononcé suivant. On dit, Akamia, Seigneur du perfectionnement, Seigneur du perfectionnement, je souhaite être charmant, délicat, studieux, pacifique, cultivé, éloigné des luttes, des tensions, des violences. Tout est basé sur la loi des actes. Tout est basé sur la loi des actes. Loi du karma. Nous connaissons ça très bien. Pacifique, cultivé, éloigné des luttes, des tensions, des violences. Tout est basé sur la loi des actes. C'est le secret de la loi du karma. Même quand on ne sait pas parler de la loi. Tout est basé sur la loi des actes. C'est le secret. La loi du karma. D'abord, car chaque cause a son effet. Ça, c'est important. Chaque cause a son effet. La loi de l'amour et de la grâce, ensuite, car on peut tout recommencer comme au premier jour de la création. Quand on peut tout commencer comme au premier jour de la création. Par la loi du pardon qui émane du surplus de la lumière. Par la loi du pardon qui émane du surplus de lumière que le Père, Kéter et l'Esprit Saint, Bina, déposent. Donc, tes potes dans Omak au service du Fils Rédempteur. Nous avons parlé de ça. Omak là, son génie qui est là, qui protège. Si nous avons parlé de l'autre là avec mon nom, ça symbolise de la bienséance du point de vue mystique. Au mystique, il y a à voir avec la protection de l'ange de Omak Sefriak. C'est que par la loi du pardon, qui émane du supplice de la lumière que le Père Kéter et l'Esprit Saint Bina, dépose dans Omak au service du Fils Rédempteur. Chaque personne est seule responsable de sa situation. Chaque personne est seule responsable de sa situation. Et les mauvais effets des causes mauvaises peuvent être dissous à jamais par la loi d'amour. C'est que la loi d'amour est capable d'effacer les mauvaises causes et est capable d'éliminer. C'est alors que la providence part. Mon intermédiaire t'offrira des opportunités exceptionnelles d'avance spirituelle, morale et matérielle sur toi. Oh Akamia, mettre des détails qui font grandir, Seigneur des opportunités, remplis ma demeure intérieure de ta grâce et de tes essences. Aide-moi car un ardent désir de réussir brûle en moi. Feu d'amour pour mes frères de génération, éloigne de moi mon karma négatif, logique et compréhensible et dont les causes qui l'ont produit, le mal, ne se reproduiront plus jamais quand mon regard s'élève vers toi. Avec cette prière, pour te dire que j'agirai toujours poussé par un amour loyal envers le tout. Lorsque nous récitons des prières là, ou juste des vertus de blouse blanche, de mouchoir bleu là, et puis avec le son de la cloche, ou éteindre une baleine bleue qui fait partie de, à droite dans ce cabalistique là, et par la suite que, ou juste fini, et on peut toujours aller sur Google, ou aller essayer de faire des recherches pour voir l'ange, le génie, le 18e, 16e génie qui s'est Akamia, et chérubin. Qui rapport les rapport avec vous et s'il y a des plus de détails, plus d'informations sur ce génie, sur chez et sur chez Ubessa
ce chéri ben ça qui c'est Akamia qui s'écrit H A K A M I A H M I A H 7 Jean nous dit c'est un génie de pouvoir de sagesse et lié à rapport à monde qui naît Jean le dit des personnes qui naît à partir de du mois de juin et c'est un ange tout qui là pour protéger qui pour son ange qui là qui protéger Akamia son ange qui là qui protéger les gain couleur argent et li gain rapport avec loi de karma nous connaissons ce qui ça loi de karma lié tout ça au fait de bien ou mal ou recevoir et ça fait que dans prière là bon côté on dit l'ange Akamia pour écarter de haut le karma négatif pour essayer changer toute bagaille en beauté de l'avant. Merci beaucoup que j'aime être capable de non pour puisque moi qu'on est nous toujours là à suivre et participer avec moi à chaque nouvelle vidéo que m'a lancé et vidéo qui a rapport avec émission pour là qui c'est émission rituel et prière. Pour cela nous sommes côté le 16e génie pour vous qui c'est Akamia qui s'écrit H A K A M I A H qui a rapport avec lundi 4 19 juin 2023. Merci beaucoup.